Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, j'ai la chance de recevoir Elisa Tovati ici sur notre plateau du 28 TV. Bonjour. Salut. Alors, je suis très très content de t'avoir, surtout que ça n'a pas forcément être évident avec ton actualité de folie entre ton tournage à Jérusalem. Là, tu as participé à Génération Goldman. La sortie de ton album que tu prépares pour juin 2014 ? Non, janvier. Janvier 2014. Ça vient très vite. Ouais. On arrive en ce moment à vivre, à respirer avec cette actu. On est heureuse surtout parce que ça fait des années que j'ai ces deux passions, le cinéma et la musique. Et là, c'est une année un peu charnière où il y a des tournages et une sortie d'album. Ça fait 2 ans qu'on prépare cet album, donc qui s'appelle Cabine 23. Et je suis très heureuse de pouvoir enfin le présenter. Ça fait longtemps que je le garde au chaud. Maintenant, j'ai envie de l'exposer et de savoir ce que les gens pensent de cet album qui est un peu différent des albums que j'ai fait depuis là. C'est mon 4e album quand même. Ouais. Voilà. Et c'est un album, c'est un peu comme un film musical. Voilà. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va quitter Paris et qui va embarquer dans l'Orient Express, traverser l'Europe jusqu'en Sibérie. Et évidemment, elle va vivre des histoires d'amour, rencontrer des gens passionnants. Elle va aller à la rencontre de ses origines. Voilà, elle va découvrir des tonnes de choses à travers ce voyage. Et donc l'album, tu le prends, tu fermes les yeux et tu vas jusqu'à la 15e chanson. Il y a 3 interludes et tu voyages avec moi. Cette femme, c'est toi ? Ouais. C'est la question que j'allais te poser. Exactement, oui. Alors, je voulais te demander par rapport à ton tournage à Jérusalem, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du téléfilm ? Alors, ça s'appelle 3 mariages et un coup de foot, c'est avec Elena Noguera. On tourne en ce moment à Jérusalem. J'ai quitté hier Jérusalem pour venir chanter ce soir et je repars demain matin à 6h du matin. Quitté Jérusalem pour venir ici, hein, pour vous, hein, chers Auréliens. Donc, c'est vraiment très rapide, un petit clic-clac, comme on dit. On est en plein tournage, c'est merveilleux de tourner dans cette ville. De tourner au mur des lamentations, l'esplanade des mosquées, de voir les processions, d'aller sur le tombeau du Christ. Vraiment, c'est une ville qui est chargée d'émotions et forcément, quand on tourne là-bas, c'est pas comme d'habitude, quoi. Alors, tu l'as dit, Thali, en ce moment, musique et cinéma, tournage, on dit souvent qu'en France, par rapport aux Américains, qu'il est difficile de mener deux carrières différentes. Est-ce que toi, pour toi... J'en ai jamais souffert. Très sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance. Regarde, je suis à mon 4e album et peut-être à mon 25e film. Donc, j'en ai pas souffert. Ce qui est compliqué, franchement, sincèrement, c'est quand tu quittes hier un plateau de cinéma comme ça où tu es très concentré sur un rôle et que tu viens chanter, les premières secondes quand tu prends le micro et que tu chantes, tout d'un coup, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu étonnant. Mais après, c'est qu'une histoire d'adaptation et de passion. Et je suis tellement heureuse de chanter et de jouer la comédie que quand on peut faire les deux dans la même semaine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'envient de pouvoir faire deux passions à la fois, quoi. On a demandé à Vanessa, pas moi personnellement, mais on a demandé à Vanessa Paradis si elle avait choisi entre le cinéma et la chanson, elle dirait la chanson. Toi, tu dirais quoi ? Moi, j'ai un manque de confiance en moi terrible. Donc, quand je suis en train de tourner un film, je me dis, mon Dieu, j'arriverai plus à remonter sur scène et chanter, c'est dur, etc. Et quand je suis sur scène et que je suis en promotion d'un album, souvent, je me dis, mais est-ce que je vais être capable d'affronter le prochain tournage, le prochain personnage, etc. Donc, je ne sais pas. J'aime profondément les deux. Et quand je suis en train de faire quelque chose, je préfère ce que je suis en train de faire. Voilà. Parle-nous un petit peu de ton aventure Génération Goldman, oui. Satisfaction de faire partie comme ça des chanteurs. Écoute, qui ont été choisis. Ça a été un rendez-vous manqué sur le 1 puisqu'on a enregistré le titre et que finalement la personne qui l'enregistrait avec moi n'a pas pu faire partie de cet album pour des raisons de contrat. Donc sur le 2, j'ai la chance de le faire ce duo sur Elle a fait un bébé toute seule avec Michael Miro, qui est un vrai ami, un garçon que j'aime beaucoup et avec qui j'ai partagé énormément de choses déjà. On a eu le succès, moi sur Il nous faut et lui sur leur tourne un peu en même temps. Et puis on a partagé une émission de télé ensemble et beaucoup de plateaux, beaucoup de concerts caritatifs aussi. Donc je suis heureuse d'être avec lui. Maintenant, l'aventure Génération Goldman, je ne le sens pas comme une aventure. J'aime les chansons de Jean-Jacques Goldman et je suis contente de pouvoir les interpréter, pouvoir en interpréter une en tout cas, et puis la collégiale. Alors pour Actu, pour les personnes qui te suivent, ton prochain concert, ton prochain rendez-vous. Alors il y a énormément de concerts justement caritatifs ou de plateaux qui vont avoir lieu un peu partout. Donc le 2 décembre, je chante pour l'appel de la Tzedaka à Paris. Le 4 décembre, je chante à l'hôpital de Boulogne-Billancourt pour les enfants malades.
Le 10 décembre, je chante pour le cancer, etc., etc. Et par contre, mon concert, donc sur le spectacle Cabine 23, car il y aura un spectacle qui va reprendre toutes les chansons de cet album et en même temps raconter l'histoire de cette jeune femme qui traverse l'Europe. La première date, c'est le 15 mars à Neuchâtel. Quand on voit tous ces concerts caritatifs, c'est vraiment une volonté que donner de son temps pour les personnes qui... Écoute, sincèrement, parfois, ça tombe très très mal. Et la première réaction, c'est de dire « mais non, vraiment, je ne peux pas ». Tu vois, par exemple, le 4 décembre, je tourne jusqu'à 7h du soir, le concert est à 8h, c'est loin, etc. Et après, je me couche et le lendemain, je ne peux pas faire autrement que de rappeler en disant « je serai là ». J'ai l'impression que si moi aussi, j'étais dans une situation délicate, j'apprécierais beaucoup que des gens qui ont un peu de chance me tendent la main. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu accepterais pour les Euréliens qui nous regardent, nous interpréter un petit titre a cappella face caméra ? D'accord. J'ai comme un passeport au fond du cœur, un ticket de mille et une couleurs. Je ne pars pas, je voyage d'image en image. Voilà. Merci, merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loire, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous. Salut le 28. Merci.